Hey yo tout le monde, c'est Lufix, comment ça va? Moi je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le site Riot, de Riot Games, du coup sur le site League of Legends, pour vous faire un compte rendu de l'année 2016. Donc un compte rendu de toute mon année 2016 sur League of Legends. Comme oui, Riot a mis en place un lien en gros. Vous allez sur, je vous mets le lien dans la description, vous allez sur une page et vous pouvez voir tout ce que vous avez fait pendant votre année 2016. Pas tout, mais vous verrez au fur et à mesure. Du coup, un petit compte rendu de l'année 2016. Donc, bout de sardine, la saison 2016 en revue. Faites défiler. Champions les plus joués. Donc, nous avons Panthéon, Darius, désolé, Illaoi, Malza et Yorick. Yorick, je pensais pas, mais voilà. De bons personnages. Ensuite, meilleure partie par carte. Faille d'un invocateur. Ratio de 24. Oh non. 8, 1, 16 avec Zac. Je m'en rappelle même pas. Je crois que j'ai joué une fois Zac, j'ai eu un S, c'est tout. Peut-être deux fois. Ensuite, Abir Murland, Aram, 5.44, 19, 39. Ah oui. Oh, mais c'est Aram, quoi. Et ensuite, ouh, ratio de 13 avec Mordekaiser, 38, 3, 1. Pas mal, pas mal, hein. 38, 3, 1. En une partie, c'est pas mal. Élimination multiple, quintuplé. Le nombre de quintuplés que j'ai fait en saison 16 sont de 0. Oui. Zéro, vous avez bien compris. Zéro, je suis une merde. Jamais fait de penta de ma vie. En 3 saisons, j'ai commencé en fin saison 2. Jamais fait de penta de ma vie. Sam, 2 quadruplés, 33 triplés et 269 doublés. Vos meilleurs amis. Champion à chaque poste avec lesquels vous avez la meilleure synergie. Donc au top. Ok, en gros, les champions avec qui tu jouais, tu gagnais le plus quoi. Ganon top, Trinda, Jungle, Sho'gath mid. Kog'Maw ADC, Taric support. Versa gratuit et ennemi redouté. Achetez vos bannissements en conséquence. Donc, le meilleur taux de victoire contre Janna, 78. Ah oui. Et le plus de tués contre 96. Contre Yasuo. Ouais, 96. Plus de morts contre Yasuo, par contre. Et pire taux de victoire contre Karma. Ah oui. C'est fou. Équipe. Les invocateurs avec qui vous avez le plus joué. Pour le meilleur comme pour le pire. 226 parties totales avec Gekko. Ouh, 108, pa 108 parties Gekko et 54 avec Dark Tuer 22. J'aime bien ce blaze. C'est un pote. C'est les trois potes. 126 avec pas mal, pas mal. Meilleur taux de victoire avec Gekko. Personne avec qui vous avez qui l'a le plus assisté, c'est Gekko. Et joueur avec qui vous avez qui a vous. À qui? Oh! Joueur qui vous a le plus assisté Gekkos et joueur que vous avez le plus assisté Gekkos. J'ai mal lu. Bout de sardine contre les pros. On peut se comparer à différentes personnes. Donc par exemple, Faker, Bjergsen et moi. Donc je fais beaucoup plus de morts qu'eux. Je pose beaucoup moins de vision. Beaucoup moins, ça passe. Ça passe encore. Mais j'en pose un peu moins. Par contre, j'en tue plus. J'ai des sbires tués, j'en ai beaucoup beaucoup moins. Et je fais plus d'assistance. Ouh loulou, c'est pas mal, pas mal. Du sang, des balises et des corps. Alors, tuer. Les personnes que j'ai tuées à chaque fois. Dans ces zones, zones. À la fontaine, j'ai réussi à tuer des gens. Je tue un peu partout, hein. Je suis mort. Oh! J'ai tué beaucoup au mid. Là, je suis mort beaucoup au mid. Au top. Et au bot, pas trop. Moi. Que sur les autres lanes. Assistance. J'ai beaucoup assisté dans cette partie-là. Au bot et au mid et tout. Fou. C'est quand il y a un regroupement là. Balise. J'en pose plus quand je suis top laner. Mid un peu. Bot moins. Pourtant, je support quand je bot. Je sais pas. La terrible jungle. Cette section sombre est peuplée de monstres. Alors, on a tué 137 barons. Le baron tué plutôt 20 minutes et 19 secondes. Ah oui. Spire tué 61 684. Exécution 11. Je suis nul. 11 exécutions. Alors, dragon tué. Alors, 15% des dragons que j'ai tués sont Astral. Ensuite, il y a Océan, c'est océan celui-là? Ouais. Des montagnes, 22%. Des airs, 20%. Et de feu,
16%. Ok. Compétences utilisées avec Panthéon. Du coup, le perso que j'ai plus joué. Saison 6, c'est Panthéon. Et les compétences que j'ai plus utilisées. Donc, le Q-Spell de Panthéon, j'ai utilisé 6035 fois. Le Z, 1921 fois. 21 fois. Le E, 3962 fois. Et le R, 471 fois. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup mon R encore. Comment jouez-vous? Au mode de jeu et rôle. Rôle les plus joués. Combattant. 51,3%. Ouh. Après, il y a mage, support, tank. Non, c'est tank. Tireur. Ah oui. Support et assassin. Assassin, j'ai pas beaucoup, ouais. J'ai pas beaucoup d'assassins. Mode de jeu les plus joués. En classé, j'ai fait 69 pour 69,2% de mes games. En normal, 26,1% de mes games. Aram, 3,9. Forêt torturée, classé 0,7. Forêt torturée, normale, 0,2. Serait plus recommandé pour moi. Donc, au top, on me conseille Shogat pour cette saison 7. Je ne jouerai pas. Au jungle, on conseille Shaco, je ne le jouerai pas. Au mid, Aurelion Sol, je ne le jouerai pas. Au on a dit c'est Twitch, je ne le jouerai pas. Et support, Brand, ça je pourrais le jouer. Ok. C'est ce qui est conseillé pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est conseillé. Du coup, voilà. Petite vidéo pour vous présenter du coup toute un compte rendu de mon année 2016. Je vous mets le lien dans la description pour vous faire votre compte rendu. Pour vous, que vous voyez votre compte rendu à vous. Hein. Du coup, la petite vidéo sur ça, j'espère que vous aimez. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, ou faire ce que vous voulez, je m'en fiche. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.